覚悟は認めてやろう。そうですね。その通りです。僕にも樽で海を漂流するくらいの度胸があれば、本当はやりたいこともあるんですけど、そこまでして海に出て何をするんですか？俺もここでは変人扱いされて久しいが、今回は特に周りの者からいろいろ言われた。連れてきたからには立派に使い物になるようにせんとな。今日はお前らの本当のところを試した。本当のところ？今は表面的には体を鍛えたりして頑張ってるように見えるがな、まだ気持ち的には弱いかもしらん。本当に覚悟を持ってやってるかどうかをな。てめえの首を欲しがってるぜ。世界は我々の答えを待っている。Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Dragon dans laquelle on parlera de son cas par rapport à la fin de l'œuvre. On parlera également du personnage dans sa globalité, je vous parlerai de mes découvertes, tout ça. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour le soutien. Si vous voulez rejoindre Loro Jackson, vous pouvez vous abonner. Yes. Monkey D. Dragon est un personnage hyper important. C'est le père du futur des pirates, le fils du roi de la marine, le chef suprême des révaux, et il vise à changer le monde. Ces quatre informations attestent le fait que Dragon est quelqu'un d'exceptionnel. Dans One Piece, les gènes c'est quelque chose d'important. On a bien vu que la marine avait peur du potentiel du fils de Roger. Sengoku a clairement dit qu'il avait de quoi être comme son père. La marine voulait par ailleurs dès le départ éradiquer la lignée du roi des pirates. On voit bien avec Big Mom qu'un puissant peut engendrer beaucoup de puissants. Elle a carrément réussi à avoir trois commandants. Un qui a littéralement fait galérer le figure 4, une qui n'a malheureusement pas fait grand chose mais qui a un gros potentiel, et le fameux Katakuri. L'homme à l'éveil de Paramecia et à l'éveil du Haki de l'observation. Autre exemple beaucoup plus récent, l'enfant du roi des bêtes. Donc rien que de par le fait que Dragon soit le fils de Garp, c'est vraiment quelque chose. Il y a les gènes du grand héros de la marine, mais également l'entraînement. Dragon a été entraîné par Garp. L'entraînement était soit direct, soit un peu plus indirect comme avec Luffy. Rappelez-vous, Garp a clairement dit vouloir faire de Luffy un homme fort. Écoutez-moi bien, la base de la puissance de Dragon, c'est ce qui fait de son père, donc Garp, quelqu'un d'aussi puissant. Une énorme force brute et un énorme haki de l'armement. Si on s'intéresse rapidement à Garp, on se rend compte que son haki et sa force font qu'il est aussi puissant. Je ferai une grosse théorie sur Garp dans pas longtemps. Donc en fait de base, Dragon est exceptionnel. Par contre, ce n'est pas juste avec ça qu'il a le niveau d'empereur. Parce que oui, je vous l'ai beaucoup prouvé, il a le niveau d'empereur. Malheureusement, il reste assez sous-estimé parce que beaucoup pensent encore qu'il est loin du niveau d'empereur. Il a la plus grosse prime parce que c'est l'homme le plus recherché au monde. Son second c'est Sabo qui a un niveau tout bonnement phénoménal. Il veut faire tomber le GM. Le GM tout entier. C'est le chef des révaux. Etc. etc. Il y a beaucoup d'arguments factuels qui prouvent son niveau, mais il y a surtout beaucoup de logique. One Piece est une œuvre hyper logique et en toute logique, Dragon a au minimum le niveau d'empereur. Il faut regarder l'œuvre dans sa globalité. Regardez les différentes instances, les différents enjeux, etc. Parfois quand je parle de sa puissance, certains me disent qu'il est très compliqué d'en parler. Moi ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que pas du tout. L'auteur a écrit tout ce qu'il faut pour qu'on connaisse son niveau. Tout simplement. Si on ne l'a pas encore réellement vu à l'œuvre, c'est parce qu'un jour il fera tout d'un coup. Quand il sera au premier plan, le monde entier comprendra à quel point est-ce qu'il est puissant. Quand Luffy a rencontré Ivankov, il lui a dit qu'il était le frère d'Ace et le fils de Dragon. Ivankov a fait un rapprochement avec Dragon. Grosso modo, elle s'est dit qu'il avait un lien familial Ace-Dragon, ce qui est normal. Luffy ne lui a pas dit qu'ils étaient frères spirituels. Forcément, elle connaît Dragon et le connaît parfaitement. Elle savait pertinemment qu'en cas de lien avec Ace, lien familial, il ne pourrait pas laisser passer ça. On parle tout de même d'exécution publique. Jamais de la ville ne bougerait pas. Ivankov a clairement dit que la marine avait littéralement tout à perdre à se faire Newgate et Dragon en ennemi. Savez-vous ce que ça veut veut dire? Eh bien, ça veut dire que Dragon a une puissance de malade mentale. D'après le schéma de puissance mondiale, un équipage d'empereurs représente une force à part entière. Les empereurs sont ennemis. La marine représente également une force à part entière. C'est pour cela que sur Marineford, la marine a eu besoin des Shishibukai, des pacifistas, de Gelasios par surprise, de menotter Marco par surprise, de pousser Squardo à une trahison, de piéger le terrain, tout ça. La marine a vraiment tout fait pour avoir plus de chances de gagner. Malgré tout ça, Sengoku a clairement dit qu'ils peuvent gagner, tout comme ils peuvent perdre. Quand on se prépare autant et qu'on use de stratagèmes aussi douteux, c'est forcément parce qu'on savait qu'on pouvait se faire allumer. C'est comme si un équipage de Shishibukai attaquait Newgate et qu'il préparait toutes ses flottes, que Marco doivent menotter un commandant adverse, qu'ils auraient besoin de piéger le terrain, etc. Avec Dragon en plus, c'était une défaite à 200% pour la marine. Garp a clairement dit qu'il n'y a que 4 pirates au monde, du même niveau que Barbe Blanche. Barbe Blanche, Kaido, Shanks et Big Mom. Ce qui est important, c'est que Garp dit 4 pirates, il ne dit pas 4 hommes. Ça n'exclut donc pas le fait que Dragon est le niveau d'empereur. Il était l'homme le plus recherché au monde pré-ellipse. La prime de Newgate était de 5 milliards. C'est très simple, la prime de Dragon est supérieure à 5 milliards. Ce qui est totalement fou, c'est que Dragon avait 19 ans de moins que Newgate. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est hallucinant. C'est même n'importe quoi tellement que c'est hallucinant. Monkey D. Dragon est incroyable. Ce mec est un véritable monstre de puissance. Rejoignez dès maintenant la team Dragon niveau empereur. Il était là durant l'exécution du roi des pirates. On peut donc s'interroger sur ce lien. Dragon, Roger. Roger était lié à Garp qui est le père de Dragon. Peut-être que Dragon était fasciné par ce grand et puissant pirate qu'est Goldie Roger. Dragon a forcément croisé la route de Roger un jour ou l'autre. Ces deux hommes partagent les mêmes idéaux. La liberté est une notion qui est hyper importante pour eux. Je pense que Dragon porte en lui une volonté. La volonté de Goldie Roger. Dans le fond, Roger et Dragon sont pareils. C'est juste que dans la forme, ils sont différents et qu'ils agissent différemment. Roger est un pirate qui ne compte que sur lui et ses alliés. Dragon est un révo qui compte sur lui, ses alliés et les peuples. Dragon s'en fout que son fils devienne pirate. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce qu'il sait pertinemment qu'il existe de bons pirates, et même très bons pirates, comme le grand Goldie Roger. Fortune, gloire et pouvoir. Tout ceci est possible sans être un mauvais pirate. Les notions de bien et de mal sont relatives, mais vous avez compris. Mauvais pirate égale Kaido, bon pirate égale Luffy. Dans une autre théorie, j'ai dit qu'il pouvait prendre l'aspect d'un dragon via son Logia. Allons plus loin, tous les éveils de Logia permettent de se changer en créature mythologique. J'ai remarqué que beaucoup de Logia très puissants avaient des noms de techniques divines ou mythologiques. Exemple, Yazakani no Magatama est en référence aux 3 trésors sacrés du Japon. Les 3 trésors sont le miroir de Yata, l'épée de Kusanagi et le Magatama. Kizaru combat avec une épée, il a une technique Magatama, il ne manque que le bouclier. Maintenant, vous savez que plus tard, il utilisera un bouclier en technique. Autre exemple, Ace avait une technique qui se nomme Dieu du Feu. Dernier exemple, Ener se change carrément en Raijin, dieu de la foudre. Les références ne sont pas mythologiques pour rien. En effet, les Zoan les plus rares et les plus puissants sont des Zoan mythologiques. Voilà pourquoi les Logia éveillés peuvent se changer en créatures mythologiques, en créatures de leurs éléments. Dragon, c'est le dragon du vent parce qu'il a très certainement mangé le Logia du vent. Il est beaucoup trop lié au dragon. Prénom, bateau et même vêtements. Regardez juste la page de couverture du chapitre 587. Je pense donc que l'éveil des Logia passe par là. Ener avait sûrement un éveil, sauf qu'à l'époque, dans l'œuvre, ça n'existait pas. Dans tous les cas, c'est explicable parce qu'il n'avait pas le haki de l'armement. Pas de haki de l'armement, mais il comblait ce manque avec une parfaite maîtrise de son fruit, le Gorogoro no Mi. L'éveil des Logia, c'est également d'autres choses qu'on développera un autre jour. Pour le moment, le plus important, ce sont les créatures mythologiques en éléments. Dragon a donc ceci, il a les pouvoirs de son fruit, une grosse force brute et 3 excellents haki. Après mon schéma, Dragon représente les éveils de Logia et le semi-éveil ou éveil complet du Haki des rois. Dragon a donc un gigantesque niveau et des capacités de taré. Maintenant, bien sûr, on peut se demander à quoi est-ce que ça va lui servir. Eh bien, sa puissance va lui servir à renverser le GM tout entier. En fait, Dragon ne peut pas immédiatement renverser le GM. Ce qu'il fait, c'est un long travail sur plusieurs années. Il rallie beaucoup de monde à sa cause, il sauve pays après pays et il se prépare. Changer le monde entier, ça ne se fait pas rapidement. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Dragon n'attaque pas directement le GM. Pour le bien du monde. En fait, c'est très paradoxal. Il veut sauver le monde, mais pour l'instant n'attaque pas le GM, pour le bien du monde. Je vais vous expliquer. S'en prendre au GM, ça revient à se battre avec son bras armé qu'est la marine. Si Dragon gagne, ce sera avec de la sueur, du sang et des larmes. Les grosses têtes de la marine vont tomber, beaucoup de soldats perdront la vie et les conséquences seront terribles. Elles seront terribles parce qu'aux yeux du monde, les révos c'est le mal absolu. Dans l'esprit collectif, les révos c'est l'ennemi du GM, l'instance qui est censée représenter le bien. Si le GM tombe, eh bien ce sera la folie partout. Imaginez un peu l'impact. Plus de GM, GM. Plus de marine avant un certain temps, les grosses têtes de la marine ne sont plus là, ce sera n'importe quoi. Donc pour Dragon, c'est très compliqué. Il doit rallier un maximum de monde à sa cause pour trois possibilités. Soit faire capituler les GM, soit gagner le plus rapidement possible, soit rallier les chefs de la marine. Tout ceci est très complexe et je vous l'accorde. En tant que chef suprême des Revo, il a donc une tâche des plus délicates. Le jour venu, Monkey D. Dragon devra faire un choix. L'avenir de Dragon est lié à Ym. Ym représente vraiment tous les secrets du GM. Nous avons encore une référence mythologique avec Ymir de la mythologie nordique. En fait, je pense que Dragon ne combattra pas juste la marine. Rappelez-vous des mots de Doflamingo. Avec le trésor de Marie Joie, je pourrai contrôler le monde. Le trésor de Marie Joie est donc lié à la surpuissance. Le GM ne l'utilise pas soit parce qu'il ne peut pas encore, soit parce qu'il attend la menace. Dragon poussera le GM à utiliser cette puissance absolue. Dragon devra donc combattre cette immense puissance. On ne sait pas encore concrètement ce que c'est. Armantique, fruit démoniaque suprême ou encore pouvoir démoniaque absolu. Dans tous les cas, Dragon devra faire face à cette immense puissance. Ym est sur le trône pour représenter le fait que le GM contrôle le monde. Par contre, personne n'a encore poussé le GM à utiliser son pouvoir ultime. Une raison l'explique, ceux qui le peuvent sont des pirates et les pirates veulent le One Piece. Dragon est quant à lui pas un pirate. Dragon fera face au GM. Le seul pirate qui peut pousser le GM à l'utiliser, c'est Barbe Noire. Barbe Noire, c'est le Xebec de l'ère actuelle. C'est un mauvais pirate avec une volonté de contrôle du monde. Il y a donc le GM, Dragon et Barbe Noire. Cependant, il ne faut pas oublier Shanks qui va sûrement combattre Barbe Noire et Luffy qui est le futur roi des pirates. Dans l'arc final, nous verrons Dragon contre l'ultime puissance capable de contrôler le monde. Il n'y aura pas que Dragon parce que les autres puissances se feront également face. Préparez-vous parce que le niveau sera phénoménal. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.